Ces accords d'Évian, c'est le résultat d'un vrai projet politique de la part du FLN face à effectivement des tentatives, des propositions, parfois portées par des intellectuels modérés comme la troisième voie d'Albert Camus. Comment est-ce que vous voyez cette interaction entre le FLN et Je différents... vais tout de suite te répondre et un petit peu relancer le débat sur ces questions, et notamment sur le projet politique. Le seul projet politique du FLN, c'était l'indépendance. Et c'est de là que naissent toutes les questions. En Absolument. fait, le FLN, tu l'as bien rappelé, Mohand aussi, démarre en 1954, sur décision d'ailleurs, hein, et démarre pour le projet d'indépendance. La question nationale n'est pas du tout traitée. La question de la nation et du contenu de la nation. Alors il y avait les tenants de l'arabo-islamisme et les tenants de ce qui serait une Algérie démocratique ou de ce qui serait une participation citoyenne à la construction et au développement de l'Algérie. Et donc la question n'a pas été traitée. Les gens ont entré à partir de 1954 dans la guerre sur l'idée d'indépendance. Et on va scoltiner le problème, hein, du contenu, jusqu'à présent d'ailleurs, à partir de l'indépendance. Non, je voudrais d'abord remercier Dima TV, enfin on va revenir dans le débat sur ces questions, de nous donner l'opportunité de parler de ces questions et notamment d'organiser un certain nombre de séances, un certain nombre de, disons de réunions autour des questions d'histoire, parce qu'on a besoin, les jeunes générations ont besoin d'être éclairées sur leur histoire, et jusqu'à présent, l'histoire, et on peut en parler peut-être dans le débat tout à l'heure, la question de l'histoire a été traitée à travers souvent, si on accepte les grands travaux de quelques grands historiens, et je reviendrai dessus peut-être dans un moment, a été traité par des témoignages. En fait, là, j'ai ramené aujourd'hui l'ouvrage de Abderrahmane Fels sur la cruelle vérité, qui raconte comment lui est rentré à l'exécutif provisoire, quel problème il s'est coltiné, etc. Donc, c'est véritablement ce qui prend le pas, c'est les témoignages. Si l'on accepte les travaux de Mohamed Harbich, d'Hubert Meunier, de Carlier, de Dahoud Djerbal et d'autres, la question, c'est écrire l'histoire. Écrire l'histoire, ce n'est pas simplement se fonder sur les témoignages, ce n'est La pas mémoire. l'histoire orale, ce n'est pas sur la mémoire simplement, c'est aller aux archives, aller aux documents, croiser les sources, croiser les témoignages avec parce que beaucoup de choses ont été dites sur cette période et sur cette histoire. Et à mon avis, la question importante, c'est celle-là, c'est de faire de l'histoire en allant aux archives, et les archives sont fermées, notamment en Algérie. Par exemple, les archives du GPRA, on ne les a pas aujourd'hui. Hein, ou les archives de l'état-major, ou les archives sont quasiment verrouillées. Les Donc, archives comment écrire des l'histoire? wilayas, Pardon? les archives des wilayas. Les archives de Wilaya, etc. Et donc, écrire l'histoire, c'est croiser donc les sources orales, les témoignages, faire des entretiens, avoir les sources, les documents, les archives, les archives iconographiques, enfin les photos, les images, etc. Et croiser tout ça et objectiver.